insolite, l'Airbnb le plus insolite, et non pas de France, mais bien de Belgique. On est actuellement en Belgique, et quand j'ai dit on, je suis pas tout seul, je suis avec Sora. Tu vas partout là comme vers toi. L'Airbnb se situe. Bonjour les copains. Comment vous allez bien là? Hey. Juste là, tu le vois pas. Il a une spécificité qu'on va découvrir tout de suite. Okay. Je te laisse tout de suite découvrir à quoi il ressemble. Ok. À trois, je me retourne. À trois, tu te retournes. Un, deux, note. Oh là. Non. C'est une forêt entière. Non, Maxime, c'est là. Oh là là, très là. Mais tu vois très bien là. Tu vois très bien qu'il y a un truc, c'est là. Fou. Donc t'as privatisé toute une forêt, mais ça a dû te coûter hyper cher. C'est là. Ah, je me retourne encore. Non, sur ta droite. Deux. C'est une machine dont j'ai absolument pas le nom. Et voilà, c'est... Une porte ? On a loué une porte ! On va s'approcher, tu vas comprendre un peu ce qui se passe. On a la piscine ! Tu vois, tu viens de me couper parce que j'allais dire, on n'a pas de chance. Parce que on n'a pas l'accès à la piscine. Elle a dit non, parce que c'est chez elle en fait, c'est pas... On n'a pas droit là. Non ? Ah, on leur a pas dit la température qu'il faisait. Non, parce que... Après, en vrai, je m'en fiche. Une piscine, tu vois, finalement, c'est pas si ouf. En vrai, on aurait fait quoi d'une piscine, gars ? On se serait rafraîchi, on aurait été de meilleur mood parce que ça nous met toujours bien. Quatrièmement, rafraîchi encore. Cinquièmement, du plaisir. Que la piscine, c'est aussi un peu de plaisir, finalement, de temps en temps. Visuellement, c'est beau. Il y a qui fait moche. Il fait un temps pourri. Il fait quoi ? Il fait 32 degrés. Je suis déjà une piscine à moi tout seul. J'ai pas besoin d'une piscine. Let's go visiter l'Airbnb. Ce n'est pas juste une porte. Parce que regardez ce que ça donne. Ça donne juste ça. En vrai, regardez, ça tue pas sa mère. Ouais, visuellement. Que ça va sur rien. Rien, ça va rien. Sur la photo de l'Airbnb, c'est vraiment ça. Vous voyez ça, ça mène à rien du tout. Évidemment, en réel, il y a un petit. Mais tu as une piscine ? J'ai une piscine, gars, je suis chaud là. Non, mais oui. Oh mec, on va se mettre bien. Eh, tu sais, moi, dans la piscine, j'ai fait on est bien. Comme ça, j'ai fait. Eh bah, si tu veux, on peut faire on est bien dans l'Airbnb en bas, dans au chaud là. Je fais le petit. Ok, alors attends, si je réfléchis bien, ma date de naissance, c'est le 4 septembre 95. On est actuellement le. Je sais pas juste où il va en venir. Le 4 moins 6, c'est égal à 2. 36. Non, c'est pas ça. Tu t'attendais à quoi? Après, être dehors, c'est pas si mal. Comment ça? Comment ça m'en... On peut profiter. Comment ça m'en... Des comment ça m'en... En vrai, il y a des arbres, tout ça. On peut se poser là, mettre des lits. Hein. Attends, je vais essayer. Mais t'es pas obligé, vraiment dehors. J'essaie, il fait très bon. Tu vois, à vous dehors, c'est pas... Après, en vrai, dormir dans un four en thermostat 29, cuisson, au lisse, de ça... C'était mon fantasme de ouf. Oh hein. Non. Chaque marche, il fait plus chaud. Non, je te crois pas. C'est pas possible réellement d'avoir... 24 heures en enfer, let's go. Non, 48, parce qu'en fait, on reste deux jours ici. Alors, par contre, la vue est incroyable. Oh, waouh. Ah oui, là, les amis, il y a une vitre. Il y a une vitre, il y a ce côté, il fait très chaud. Oh, y a pas de changement. Il fait tout aussi chaud dehors que dedans. On va être bien. On va être grave bien là. Du coup, on dort où là? Parce qu'il y a pas de lit, mon ref. Si, en vrai. Il est caché quelque part. Non, il est. Tu vois très bien l'encadrement là. Le côté. Moi, je dors du côté droit, si jamais. Mais non, moi, je prends le gauche, Maxime. Je crois que c'est mieux avec un lit, non? Non, c'est bien là. On est bien en vrai. Non. Tu veux pas que je monte le lit? Ouais, je monte le lit. Attends, Le Game Master, il a dit qu'il fallait pas toucher à tout. Si je tire là. Voilà, j'ai trouvé. Mais non! J'ai trouvé le lit, mec. Donc, on dirait que tu ouvres un coffre de voiture, mais. Donc là, le projet, c'est toi. Moi. Et la chaleur dans le. La chaleur, on est trois. J'ai loué un Airbnb pour trois, les amis. J'ai eu un surplus. Je sais pas pourquoi ça coûtait plus cher, mais c'était pour la chaleur. Pour trois ? Ah, la chaleur, la chaleur, toi et moi. Ah, mais elle prend beaucoup de place, la chaleur. Elle prend plus de place que nous. Okay, il y a un débarras dans lequel il y a un vent. Un ventilateur. Ok. Un ventilateur, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oh. Bah, je vais dormir là. Ah, ouais, c'est tout. Bah, je vais dormir ici. Allez. On dort dans le R&B. Allez, prends on va prendre le ventilo. Lui, ça va être notre meilleur pote. Ah, putain, j'espère vraiment. Imagine, il ventile que de l'air chaud. Ce serait chiant. Le ventil, petit. Oh, il fait du bruit déjà. Ah, oui. Mais Maxime, il est où? Maxime. Imagine, les pots sont giga classiques. Oh pardon, excuse-moi, mais là il y avait quelque chose. C'est la pièce la plus fraîche de l'Airbnb. Et non, parce que la pièce la plus fraîche, c'est toi. Tiens, c'est mon bras. Il est arrivé tête toute. Plus jamais. D'accord. Oula, ça fait pas un peu glauque là, ce. Bon, non. Qu'est-ce qu'il fait? Imagine la. Non, c'est bon. Est-ce que toi aussi, dès quand il y a ça là, oui. Et que toi tu allumes le truc, et tu penses que c'est ça, et en fait c'est ça, et ça fait un screamer, t'as peur, genre. Screamer, peut-être pas, mais en tout cas, dès que les gouttes me touchent là, je fais. Des chocs barres de baiser. Tu
m'a saoulé. Bon les amis, voici l'Airbnb final. Il est pas très grand, mais on a vite fait le tour. On a vite fait le tour. Il y a tout ce qu'il faut. Je vous montre pas les shots, mais il y a des shots évidemment où Maxime a déjà posé un classique. Maxime, mec, je dors ici ce soir. Je dors ici ce soir. Mais il y a pas un truc qui te choque sur toi? Je kiffe là. Là gros, je suis en plaisir mon gars. Et tu peux l'enlever si tu veux. C'est dur comme vanne, putain. Surtout que ça là, il le voit parce que c'est le moment après la vanne. Non, si, on si. Montre pas ça. Si, si, non, c'est le backstage. Non mais la vanne vaut le coup hein. Ouais ouais. Je te ouais, jure, ouais. La blague vaut vraiment d'accord, le coup. Bah j'attends. La blague vaut le coup. Ouais, je te crois. On est tous les deux pendant deux jours, on va. On va danser quoi. Non, on va dormir. On va dormir, on va dormir. Maxime ? Je prends du plaisir, je prends du plaisir. N'hésite pas quand ce sera ton mariage de prendre du plaisir, mais autrement visuellement que ce que tu viens de faire. Certes, tu crois, je suis pas assez communicatif. Réfléchis à d'autres manières. Les amis, oui, il y a de l'ombre, il y a tout, mais là. On est bien, il y a rien. Il y a vraiment. Il y a à faire là, il y a rien. Mais là-bas, il y a. Non, il y a rien non plus. Il y a rien non plus, rien non plus. Alors que non, là-bas, si tu. Y a rien. On ramène nos affaires, on s'installe, les amis, on vous reprend après. On a des petites courses à faire. Ah putain, je sais pas, tu te rappelles, on n'a pas pu manger dans le dernier Airbnb, les trucs lyophilisés. Riz au poulet, curry. Ouais, on va. Eh, hey, mais en vrai, on va se mettre trop bien avec un petit réchaud là. Oh, tu kiffes, tu vois, je, ouais. Vois, je vois que dans le fond, tu kiffes un ouais. Peu. On a une cuisine, en vrai. On aurait pu cuisiner, mais dans la dernière vidéo, on n'a pas pu le faire. Ah, c'est dommage, on peut pas le faire. Maman. Putain, on est vraiment deg, hein. Putain, on contentait que du pain, du saucisson et du fromage. Oh. Du coup, je l'emporte avec nous pour qu'on se mette bien ce soir. Les amis, on ressort de la douche. Oui, il fait chaud, mais j'ai de l'eau froide. Oui, quand il fait chaud, je prends quand même une douche chaude, ça va? Là, je suis en train de me préparer. Maxime, il est juste à côté en train de se reposer. Donc là, Maxime, le programme de ce qu'on fait, c'est que là. Je peux tu veux, tu sais qu'on va faire après? Non, non, je peux juste intervenir sur un truc. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que t'as pas compris dans le terme se rhabiller? Se rhabiller, qu'est-ce qu'il y a de compliqué finalement? Quoi? Attends, je comprends pas. Bah, t'as vraiment le. T'es en quel but quoi? Bon, moi je vois le verre à moitié vide. Moi je vois les vêtements à moitié mis. D'accord. Ok, je vois. Tu peux voir le plus près? Non. Non? On a rien à manger dans le frigo. Non, on a rien. On a rien à boire, il fait 45 degrés, on a rien à boire. À 5 km, il y a un petit carrefour. Ok. Donc on va y aller. Okay. On va acheter quelques petites courses pour Graille. Mais ce soir on a déjà Graille, on a déjà le truc lyophilisé donc. Après, en vrai, mec, dans un supermarché, il y a plein d'autres trucs, hein. En vrai. Oui, mais on va prendre pour demain. Pour ce soir, je vois. Bon les amis, je vais pas voir avec Sora où on mange ce soir. Lui dans sa tête, il croit qu'on mange que les repas lyophilisés. Mais je vais voir avec la propriétaire, ça peut pas nous guider vers un petit restaurant. C'est pour vous conseiller à Tervuren ici. Ouais, ou dans le coin après, si vous voyez un peu plus loin. Il y a même un concept très chouette où ah. On partage les assiettes. Et abonnez, dat is denkik un beetje fris nu omdat het is heel. Ok super, merci, c'est gentil, merci beaucoup, bonne soirée. Là évidemment, on va pas le dire à Maxime qu'on a trouvé un resto, mais. Eh yeah, ça y est Maxime, wouh. Bon les amis, les petites courses, enfin c'est parti. Et après on va se grailler quoi? Un McDo. Non je crois que c'est du curry Mais attends, mais c'est pas les mêmes sachets quand même. Si c'est les mêmes. Mais avec, j'ai... Attends frérot, ça fait... Non mais si, mais regarde. Mais 3 mois. Mais la dernière fois j'avais oublié d'acheter ça. Bah de quoi cuire dedans. Non il va le... d'acheter. On y va. Je suis choc barre de... Ok, ça y est. Ouh, du petit honneur. Je pense ça là, avec un petit soleil là. Un petit soleil. Ah oui, c'est genre soleil, à manger, genre, oui. Non. Chef. Et ça, avec un petit soleil. Genre, j'en ai déjà une pour toi, t'inquiète. Il me faut un briquet pour pouvoir allumer notre paléophilie des talons. C'est quoi là? Non. Attends, je regarde au cas où. Je crois que j'avais pas mis ça moi. Non mais t'inquiète. Ok. C'est bien ça demain midi? En vrai je rigole moi. Oui, rapide et efficace hein. En vrai chicken avec Isoba je kiffe hein. Bah oui, et bah sympa. T'as pris chicken, et bah tu sais quoi, pour pas te copier je vais prendre chicken alors. Pour pas faire pareil, pour me démarquer de quelqu'un d'autre. Avec la musique qui te strike? Qui me strike sur YouTube. Ok d'accord. Ouais, en tout cas ce qui est bien les amis si vous venez en Belgique, c'est qu'il y a beaucoup de trucs différents de Red Bull là. Il y a beaucoup de choix hein. Alors il y a soit le normal, ouais. Après un que je connais pas trop c'est lui le normal. Ouais. Lui le normal que je connais moins que lui, ouais. Un peu plus que lui. Ouais. Et sans sucre.
sucre. Ouais. C'est bien, hein. C'est pas mal. Non, c'est nul. Ouais, ouais. Ah, mais ça n'empêche, je vais en prendre quand même, hein. Bon, les amis, j'ai fini du coup de faire les courses. Donc là, maintenant, j'ai demandé à Raven de me conduire à l'Airbnb pour continuer ma petite vidéo, quoi. Je crois que dans tout ce que t'as dit, il y a pas un truc qui est vrai. De base, en fait, c'est un truc qui revient beaucoup chez toi, Maxime, j'ai l'impression, c'est que c'est pas ta vidéo. Je sais que t'as ce truc un peu, cette petite. Ah, c'est Gérard, je l'aime bien, je le connais. Non, je le connais pas, en plus, c'est une meuf. C'est pas ta vidéo, en fait. Et à un moment, faut que je dise les mots, Maxime. C'est pas ma vidéo. C'est pas ta vidéo, elle s'est garée comme une cruche. Ah, mais il y a écrit Raven sur la caméra. Eh oui, je sais, Maxime. Je confonds tout le temps. Et ça, tu sais, depuis quand? Depuis cette vidéo-là, en Égypte. Putain, t'as pris ma caméra. Les gars, du coup, donc là, en fait, on va au restaurant, le Al Saraya. Ah ouais, c'est donc ça fait un moment, du coup. Tu faisais cette vanne. Ouais, ouais, bien sûr. D'accord, ouais, je confonds vraiment tout le temps. Hein. Exactement. Bah, bon, ouais, c'est gentil. Ouais, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame. Merci, madame. Merci. Eh, t'as pas entendu. Madame, merci. Merci, madame. Du coup, on va rentrer, on va se poser et on va manger les repas lyophilisés que je lui ai préparés. Il le sait pas. C'est une petite surprise. Ah, je te fais des plans hyper stylés pour la vidéo. Je les ai fait tout à l'heure. Je les ai déjà fait. C'est un design, c'est pareil, on le rajoute après. Hein. Ça là, je le rajoute au montage. Tout ce qui est. Le monteur laisse pour effacer toutes ces séquences. Dès qu'il tient la. Hey Maxime, vas-y, ouais. Amuse-toi, t'inquiète. Ok, cool. C'est pas tout ce qu'il fait. Let's go. Réponds, ça va passer. Ça. Mec. Quoi? Il y a une piscine? Mais non. Non. Oui, c'est bien ce que tu viens de dire. Non. 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 Parce qu'en plus, ils l'ont bâché, quoi. Ok. Il est l'heure de manger, Maxime. Ouais, ouais, j'ai plus faim. Entre deux, t'as plus faim. Je suis un peu ballonné là. Ah bah justement, c'est écrit contre les ballonnements les trucs que j'ai. Le petit réchaud. Alors, voilà. Et... ah bah c'est les mêmes. Riz poulet curry et duo de quinoa aux légumineuses. Tac. T'as été vif. Non mais j'ai hésité entre là tu vois je réfléchis entre duo de quinoa et riz au poulet au curry. Je choisis riz au poulet au curry. Tu l'as balancé lui. Oh je m'avais exprès. Bah ouais. Si j'avais dû choisir entre les deux. Après. T'as trop de force, mais sinon, ce genre, j'aurais pris. Moi, je préfère ça. Ah ouais? Ouais. C'est fou, c'est qu'on a une plaque induction avec. Ouais, on a une casserole. Une casserole, on a un micro-ondes aussi. Ouais. On pourrait faire chauffer de l'eau de plein de manières différentes. Et mais on va utiliser ça. On a ça. Ok, cool. J'ai super peur. Non, moi, j'ai pas eu peur, regarde. Moi aussi, j'ai pas eu peur. On attend pendant 10 minutes et après, on va se régaler. On vient d'éteindre parce que on vient de voir qu'on avait pas retiré l'étiquette. Ah, vous voyez pas. Ça a brûlé en fait. Ça commence à. On a commencé à avoir du feu vraiment, quoi. Mais comment je vais faire pour retirer l'étiquette maintenant que c'est trop chaud là? Et hop là. Non, on a pas trop brûlé en vrai, ça va, hein. La soupe elle est prête. Elle est pas sûre hein, de cette vidéo, vraiment, je te jure. Les gens là, ils attendent le plot twist. Hein. Tu penses qu'ils sont au paroxysme là? Là, c'est le paroxysme du divertissement là. Mais vous n'avez rien vu là, il va se passer des dingueries à ce moment là. Et ça, tu t'y attendais pas. Hein. Alors, c'est super bon. Par contre, en vrai, ça sent bon. Des vrais morceaux de poulet, pas. Quoi? En vrai, d'intérieur, ça a pas l'air si dégueu que ça, en vrai. Ça a pas l'air si dégueu. Oh, ça gère trop bien, wesh. Oh, mec, ça a l'air sent bon. Délicieux, mec. Ça, on dirait pas. On dirait vraiment pas de ce partage. Oh, tu vas te. Régaler. Oh, vache, c'est bon. Oh, tu vas te régaler. Là, ça me dégoûte. Ça a l'air excellent. Ah, pourquoi ça bulle? Et on déguste ça fort. Et on va se régaler, hein. Allez, let's go. C'est vrai que ça va. T'inquiète, ça va être trop bon, je pense. Maxime, il y a beaucoup trop d'eau là. Ah non, ça a pas été mélangé. Oh, ça me dégoûte. Tu vois, c'est le meilleur plan de la vidéo. Alors, par contre, ça sent vraiment extrêmement bon, mais il y a peut-être un peu trop d'eau, quoi. Bah, c'est une soupe, non? Moi, je pense que ça va être pas mal comparé à toi, genre en termes de texture. Texture, tout ça, nickel, ça sent plutôt pas mal. On va aller du côté de Maxime, là. Vas-y, let's go. Ah, ça manque peut-être de chaleur. Non, je vais me régaler ce soir. Quel repas de... En plus, dis-toi que tu manges que ça. Donc, c'est-à-dire que c'est bien, faut finir. Je pense que vaches vont pas manger avec moi. Hein. Non, elle nous m'a dit, faut pas nourrir les vaches. Moi, je vais goûter, franchement. Moi, j'en suis sûr que en vrai, toi, niveau texture, ça donne envie. Je vais te dire ça tout de suite. C'est chaud, attention. Alors, c'est bon? C'est bon? Après, moi, c'est des goûts que j'adore. C'est bien salé, c'est bien relevé, c'est des goûts que j'aime bien. Premier degré, je suis hyper surpris. C'est vraiment pas, c'est pas mauvais. Bon, Maxime, en vrai, en ça, faut que je t'annonce un petit truc. C'est pas réellement ton repas ce soir. Il y a pire que ça? Non, je suis pas sûr qu'il y ait pire. Voilà. Non, en vrai, j'abuse. Ça colle pas au lieu ce qu'on fait là. Du coup, on va aller peut-être dans un petit resto. C'est vrai? Oui, pour c'est peut-être pas, manger. C'est pas un piège? Non, tu mens pas. Quand je me suis éclipsé, j'ai été voir la proprio et je lui ai demandé des adresses pour manger. Ouais. T'as l'air un peu content. Pas du tout, moi j'aurais préféré ça. Je peux appeler pour annuler après. Non, pas obligé. T'es sûr? Non, on peut rester, t'inquiète. En vrai, ouais. En vrai, t'as fait des efforts et tout pour tout ça là. On va pas gâcher tes efforts quand même. Et tu finis quand même ta soupe. Oui. Ouais. Oui. Ok, cool. Oui, je la garde pour demain.
C'est 20h30, on a encore une grosse demi-heure là. Je suis tout aussi content de manger ça. C'est vrai? Ouais, ouais, je suis content. Bah vas-y, je te regarde. Bah je continue là. Allez, petite ta bouchée là. Bah, oui, c'est bon. Tu viens de reposer là. Les amis, on arrive. Pourquoi tu chantes? Pourquoi tu chantes? Non, mais en fait, mais je pose la question, pourquoi tu chantes? T'as l'air énervé? Non, mais pourquoi tu chantes? Tu as l'air énervé. Non, c'est vrai que je suis pas heureux. On est passé d'un repas lyophilisé à un restaurant. Il s'appelle Le Bouffe et il est juste en face. Tu veux manger dehors? C'est comme tu veux. Ouais, moi, c'est hyper mignon ici. Ok, bah vas-y, on mange dehors de fou. Ah, je suis grave chaud. Nous sommes un restaurant méditerranéen. Notre concept, c'est un peu du food sharing, du partage. Si vous regardez sur notre menu, la première page, ce sont nos tapas. Ah, là, tu prends un grec? Si, tu m'as fait peur, j'ai envie de te taper et embrasse-moi. Pardon. Trop tôt? Ouais, trop tôt. Tu me dis qu'on a le droit de s'embrasser? Bah, demain, tu vois, on en a deux jours ensemble, donc laisse-moi la journée pour un peu. Donc, une lune de miel, ça commence le lendemain de là où on va? C'est une lune de miel, ça? Ouais. Enfin, pas ça, parce que c'est une carte, mais là où on est là, okay, c'est oui. C'est une lune de miel, ça? Toujours pas? Boulette frite épicée à base de pois chiches. Wow. Ah, c'est mec, le bois il grince. Tu vois, il grince le bois. Mais je savais pas que le bois il pue aussi fort. Il est pas chien du Nata? Bien sûr, je vais prendre ça. Les amis, je suis portugais, évidemment. Les amis, je suis portugais, si vous l'avez dit ou pas. Non, mais je suis fan du pastéis de nata, évidemment. Vers chez moi au Portugal, c'est un emblème, le pastéis de nata. C'est là où on fait le mieux, tu vois. Ici, il est hyper bon, je serais grave choqué, tu vois. Allez, on va regarder là. Vache pour le calais. Hop là, donc bon appétit, comme c'est on dit. C'est pas moi qui lui ai appris ça. Ça va. C'est très très bon. Merci, les aubergines grillées. Sur un peu de basilic. C'est magnifique, wow. Vraiment c'est magnifique. Faites-vous plaisir, je vous souhaite un bon appétit. Merci, c'est super gentil. Écoutez-moi ce petit. Tout a l'air. Oh, tout est magnifique. Attendez, je vous fais un petit close-up parce que tout est magnifique. C'est pas normal. Oh là là. Non, mais regardez-moi ces plats sans déconner. J'ai mis ma petite serviette. Alors non, Maxime, c'est vraiment à manger, c'est du pain. Tac, tac, tac. C'est petite serviette là. Regardez-moi le plus beau des plats là. Et bah écoute, je te souhaite vraiment bon appétit. Bah moi aussi, mon bon appétit. Là. Écoute, j'ai commencé avec mes petites baguettes. C'est vraiment un truc. Alors. Ouais, tu peux. Après, tu prends à deux mains. Ah oui, non, c'est une dinguerie quoi. Bon, toi aussi là. Virgin Morito, là, on va se mettre rap, t'as mon ref. On va pas rentrer, hein. On va rentrer à pied, moi je te le dis. Non, hein. En titubant, j'ai envie de te le dire, on va être là. Ah putain, ça fait déjà effet. Oh. Tu m'as dit que ça s'appelait Maxime, je suis pas bien. Tu m'as dit que ça s'appelait comment? Virgin Morito là. Oh, je suis pas bien, mon ref. Mais mon ref, Virgin, y'a pas d'alcool. Non, Virgin Morito, y'a pas d'alcool. Y'en a zéro. Genre vraiment c'est zéro. Il y a un truc dans l'aliment là. Non, le thon il est sans alcool, il y a rien, il y a aucun alcool, nulle part en fait. Ça c'est petite aubergine, c'est ça? Écœurant. Écœurant. Ah bah ça a l'air écœurant. Il dirait un houmous au fromage. Mais les amis, j'espère que vous bavez bien parce que sincèrement c'est très très bon. Et vous de votre côté, vous mangez quoi? Faites pause là et dites-moi si vous mangez déjà oui ou non. Et après vous dites ce que vous mangez en commentaire. Je vois, il y a des gens qui mangent pas. Jamais de leur vie ils mangent quoi. Ils ont déjà mangé dans leur vie, mais t'es bête ou quoi? C'est pas moi qui suis bête en fait. N'importe quoi. Petit dessert. Mais c'est chaud les pastèques de donuts. Normalement c'est tiède avec un petit peu de poudre de cannelle. Sauf que là ils sont beaucoup plus petits que le réel. Mais du coup à voir niveau goût. Ok. Ouais, mes glaces sont très bonnes. C'est vrai? Ouais, mes glaces sont très très bonnes. C'est froid? Trop froid. Trop ouais. Froid. Donc, pour les Portugais qui me regardent, c'est pas les pastèches de nata qu'on connaît. Mais par contre, ils sont très très bons. C'est un goût un peu différent. C'est plus sucré, mais marque les pastèches. Normalement, c'était déjà bien sucré. Alors, ce petit repas lyophilisé, Maxime. Ah, mec, j'adore. Si je te l'imagine, tous les jours, on doit manger ça là. Tous les jours, on mange ça là. Ouais, lyophilisé comme ça là. Lyophilisé comme ça là. Ah, mec, vraiment. Oh, cauchemar. Ah, t'imagines. Non, c'est dur. Bon, allez, on finit quand même parce qu'il faut. Et on se retrouve à Airbnb. Mais je me force. Hein. Ah, pareil. Non, mais c'est toujours la même vanne, Maxime. Tu te répètes, tu te répètes un peu. Tu te répètes. Il y a une piscine, il y a de l'eau en dessous, il y a une piscine. Oui, en dessous, il y a de l'eau, mais là, il n'y a rien. Ok. Let's go pour la chaleur. Oh, on avait oublié. Oh. Aïe, ah, je me suis fait mal. C'est quoi ça? Oh, Maxime. Oh, wow. Il est l'heure de déployer le lit, là. On va en réunion comptable ou quoi, Maxime? Bon, je reviens. Tu vas rien. J'ai étudié la tendance du CAC 40. Ouais, moi, je connais la tendance du caca. Le CAC 40. On est là deux jours. De toute façon, on rigolait bien hein, à la base. Oh. Enfin, c'est-à-dire qu'on fait le lit, on est obligatoirement obligé de mettre les sangles pour remonter le lit. Quoi. Et ça, c'est quand même. C'est quand même spécial hein. Voilà, c'est pas comme la dernière fois, on est quand même beaucoup plus à l'aise, on va pas se mentir. J'ai l'impression que tu vas te mettre trop à l'aise là. Ouais, c'est pas. Allez, c'est pas... on est à l'aise vous. On est pas à l'aise, on est en Belgique. Hein. Oh non, ce plan était bizarre, Maxime. Oh, il m'a fait frissonner un peu. J'ai fait ça. Regarde le plan. Je suis sur le lit. Toi, t'es à moitié à poil. Ouais, j'aime trop ce move, mais je suis pas assez grand pour rejoindre là-bas, tu vois. Ouais, allez. On est bien après, allô. Réveil de couple. Wouh, boulou, boulou, pipa, boulou. De couilles. De couilles. Ouais, ouais, je voulais dire de couilles. J'ai assez bien dormi, tu as eu chaud? Non, jamais de la vie, hein. Mec, il fait oui.
Combien de ce qu'on a? On est à Fort Boyard ou quoi? Je suis en train de regarder ça, c'est ce que la propre nous a donné pour voir les activités, les choses à faire. On n'est pas remonté en haut depuis hier. Il commence à refaire une chaleur de fou malade. C'est quand même bizarre cet endroit. Mais plus insolite, c'est vraiment quand même quand on passe là-bas. Oh, il fait bon! Regardez-moi ça quand même. Non, mais c'est quand même fou ça de sortir d'ici là. J'aime trop ce genre de concept de vidéo, les amis. Dites-moi si ça vous plaît. Cette série de vidéos peut aller très très loin. Donc si ce genre de concept de vidéo vous plaît, les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et surtout à commenter et à vous abonner à cette chaîne parce que c'est ultra important et ça me dira. Ok, vous êtes autant vous abonner d'un coup, ça veut dire que vous avez kiffé le concept et du coup je vais en faire d'autres. Voilà. Là, Soré m'a dit qu'il avait une grosse réunion compta, tout ça. J'attends qu'il termine. Et après, on va aller faire une petite visite. C'est un endroit pour la randonnée. C'est la nature. Donc on va aller faire un petit tour en forêt. Maxime va grave kiffer. Non, il préfère les magasins. Max ? Maxime ? Ça baisse le son. Tu m'avais pas dit que t'étais en réunion ou je sais pas quoi ? Travail. Bah, t'as bientôt fini de taffer ? Ouais, je finis de taffer là et ouais. J'arrive là. Ok, vas-y, bah je t'attends un peu. Hein. On va manger. Hein. J'arrive. Hein. Ouais, on va manger. Maxime, j'entends tout. Bon appétit, Maxou. Merci beaucoup là d'avoir fait la cuisine. Ouais, j'ai grave cuisiné. C'est quoi ce que t'as fait du coup là? J'ai fait des petits. Attends, je regarde. Yakisoba, I keep chicken. Mais c'est fait maison tout ça. Ok. Après, je t'ai cuisiné aussi des tomates. C'est toi qui as fait le design? Ouais, ouais. Ah, bah c'est imprimé 3D. Tu t'es brossé les dents? Non. Pas vrai? Oh. On n'a pas de complicité. Bon, on mange les amis. Après, on se retrouve en balade. Ouais. Ah! C'est du silence chouïa excessif. Ok. Mais je comprends l'idée. Ok, je refais. Les. J'ai peut-être une proposition. Vas-y. Les amis. Ah. Les amis, ouais. Vas-y, tu me montres comment tu fais. Les amis. Allez. J'ai quand même pas mal de petites choses intéressantes. Yes. Notamment là. Par là-bas. Ah, il y a la tour Eiffel, eh. Même ici. Fred, t'es là aussi pour dire oui aux vannes. Ouais. La tour Eiffel, alors mec, c'est une grue, t'es bête! Connard. Ah, Maxime, nous voilà sur l'espace principal. C'est grand! C'est hyper grand. Une grande allée qui ressemble à là où on était, mais en plus grand quoi. Bah, on a fait le tour de la forêt. Du coup, on va où? Bah, je sais pas trop loin, est-ce qu'on va se perdre? Se ressourcer, ça fait du bien quoi. Exactement. Bon, bah écoutez, je pense qu'on est plutôt pas mal, on va se rentrer, on va se poser, on va jouer encore, on va se toucher les parties quoi. Enfin ça tu le sais pas mais... On a joué. Quand tu dormais. Bref. Allez. Les amis, il est 18h17. Je viens de recevoir un message. Écoutez bien, la propriétaire me dit: bonjour Raphaël, si vous avez envie, vous pouvez profiter de la piscine. Donc si vous voulez vous rafraîchir, c'est avec plaisir. Mais les amis, c'est incroyable, c'est super gentil. Je vais le dire de suite à Maxime. Et on va se faire, je pense, une petite piscine. Parce qu'il fait encore ultra chaud. Je vais le réveiller parce qu'il fait dodo. Maxime, Oui. Alors écoute-moi bien. Je viens de recevoir un message de la proprio qui nous dit: on a accès à la piscine. Je mens. Non. La tête de ma mère que tu mens. Je te jure que je mens pas. Tu sais quoi? Je vais même pas te croire parce que ça me détruirait le moral. C'est la meilleure chose que... C'est beaucoup mon ami. C'est incroyable. Les amis, ce qui se passe là, c'est pas ce qui se passe comme d'habitude. La propriétaire m'a évidemment dit que c'est absolument... Maxime, excuse-moi, mais t'es pas déjà prêt pour aller à la piscine. Oui, mais enfin, je peux finir ma phrase peut-être avant. Si tu m'as dit, elle a dit oui. Elle a dit oui. Les amis, je me répète, mais du coup, c'est un cas très très particulier. Il fait très très chaud. Donc, si jamais vous louez ce lieu, malheureusement, vous n'aurez pas accès à la piscine. Je le précise évidemment. Là, c'est vraiment ce qui se passe. C'est vraiment exceptionnel. Un cas extrême, on va dire. Donc, c'est très très gentil de sa part. Mais malheureusement, je le répète, si vous louez cet endroit, vous n'aurez pas accès à la piscine. Je remercie encore la propriétaire. C'est parti, la piscine, Maxime.